Bon, Kratz, incline-toi devant moi et ma supériorité technologique! Tes pitoyables défenses ne font pas le poids devant mon exosquelette surpuissant et mes robots! La recette de ton pâté de crabe sera à moi! À moi! Il te faudra plus qu'un costume de clown en état pour me surpasser, Plancton! La recette du pâté de crabe est parfaitement en sécurité dans mon coffre super... sécurisé. Tu veux parler de ce coffre super sécurisé? Je l'ouvrirai en un rien de temps! Reviens ici avec mon coffre, Plancton! Capitaine? Poséidon soit loué, te voilà! Plancton a volé mon coffre qui contient la recette du pâté de crabe. Heureusement, il ne sait pas qu'il faut une clé spéciale pour ouvrir le coffre. J'ai fait 3 copies de la clé, et je les ai cachées à 3 endroits secrets marqués sur cette carte. Merci! Oh non! A une idée! On est sauvés! Sauvés! Qu'est-ce que c'est, Moussaillon? Ok. Tout ce qu'on a à faire, c'est installer un haut-parleur géant et jouer de la musique triste qui parle d'un camionneur solitaire très fort! Ensuite, on organise un barbecue et on prépare des hot-dogs, des bananes flambées, de la choucroute. Ensuite, avec une couture électrique, un vieux tuba et de la litière pour chat. Et en quoi ça va aider? Carlo, un pique-nique, ça aide toujours! Attendez! Pourquoi on n'irait pas tous ensemble chercher les clés avant que Plankton les trouve? Moi, je préfère l'idée de Bob. Merci, Valérie. C'est ça? Tout ce que nous avons à faire, c'est trouver les clés avant Plancton. Et ma recette sera sauvée. Je suis content d'y avoir pensé. Moi aussi. Il me semble que pour sauter, il faut appuyer sur sauter. Suis-je bête? Appuie sur action pour donner des coups au robot. Je ne fais pas confiance au robot mignon. C'est comme faire exploser des bulles. Appuyer 2 fois sur sauter permet de faire un double saut. C'est un miracle. Oh, des jolis rouages. On pourra acheter d'autres gadgets avec ça. Tu as débloqué le fusil à cornichons. Utilise la commande d'activation du gadget pour tirer. En pleine forme. Appuie sur action pour effectuer un écrasement. Écrase les coffres au trésor pour les ouvrir. Enfin quelqu'un qui a un feu de bois. Ah.
Et il faut aussi écraser ces interrupteurs. Oh, je sens que je vais avoir une migraine. On a du mal à croire que Plankton puisse faire autant de dégâts à lui tout seul. Ce n'est pas si difficile à croire quand on comprend que l'on est confronté à un intellect aussi puissant que le mien. Vous voyez, je dois tout à ces cellules énergétiques. Elles sont la source d'une puissance sans limite. Grâce à ces merveilles, Karen a pu me fabriquer cette tenue de combat robotique et toute une armée de robots. Oui, oui, et avec un peu d'aide de la famille Plankton. Je vous assure que je trouverai ces satanées clés, mais il me reste une chose à faire avant de me lancer dans ma quête pour dominer le monde! De quoi s'agit-il, Plankton? Vous détruire, voilà ce qu'il me reste à faire! Éclabouillez-les! M'aider? Franchement... Super! De retour!
victoire de plus pour les forces du bien. Passez vite, mon jeune ami. Vous avez peut-être remporté la première bataille, mais je vous assure que la victoire finale m'appartiendra. Mon armée de robots mettra bientôt la main sur ses clés, et je posséderai enfin la fabuleuse recette du pâté de crabe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je propose qu'on arrête ces bêtises et qu'on rentre à la maison. Et peut-être une bonne tasse de thé avant d'aller se coucher. Non, Carlo! Il faut qu'on trouve ses clés avant Plancton. Oui, Carlo! Oh, mince!